Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro du CP News. Aujourd'hui, on est au Game Fair 2017. Je suis avec Marianne, ma réalisatrice. Marianne, est-ce que tu es prête? Allez, c'est parti. Pour bien commencer la visite du salon, nous allons à la rencontre de Sophie Casanova, qui est donc la présidente de La Rivière Organisation. Bonjour Sophie. Bonjour Eric. Qu'est-ce que ça représente le Game Fair, on va dire, en temps d'installation, en personnel et en visiteurs? Alors, c'est une grosse manifestation organisée. Il faut savoir que le Game Fair, donc, c'est le grand salon de la chasse et de la nature en France, le grand rassemblement français. Et pour nous, organisation, ça représente plus de 3 semaines de montage. Donc 3 semaines montage, démontage, salon, avec plus de 200 personnes qui interviennent sur l'organisation, donc ça fait du volume. En termes de visiteurs, on espère que les gens vont venir nombreux voir l'ensemble des animations, l'ensemble du contenu, l'ensemble des plus de 500 exposants qui sont présents, parce qu'il y a beaucoup d'animations, mais il y a également énormément de stands, ce qui en fait vraiment le plus gros salon français. Sinon, Sophie, tu chasses ? Je chasse, quand j'en ai le temps. Petit gibier, grand gibier ? Les deux, plutôt dans la région. En fait, je suis d'origine aussi Sologne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Game Fair qui a déménagé à la Motte Beuvron il y a 3 ans, c'est vraiment resitué au cœur de la Sologne. Et la Sologne est une vraie terre de chasse, donc c'est vraiment pour nous très important de se trouver ici. Tu vois quoi comme évolution dans le monde de la chasse ou des projets ? Par rapport au monde de la chasse, de toute façon, c'est un monde qui bouge, c'est sûr. Aujourd'hui, on a des spectateurs, par exemple, dans le cadre du Game Fair, qui attendent de plus en plus d'informations, qui attendent des nouveautés chaque année aussi, pour ne pas se lasser. On met un point d'honneur là-dessus, notamment le Pays à l'honneur qui existe depuis maintenant plus de 6 ans, où chaque année, on amène une animation nouvelle avec un village, avec toute la gastronomie qui est représentée, les artisans qui viennent du pays, toutes les animations, le folklore, pour vraiment donner un thème et une animation au village. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup Sophie. Un très très bon salon pour cette année et on se retrouve en 2018. Merci. Un petit coucou à mon ami Guillaume, qui est maintenant donc responsable éditorial de Chasseurs de France. Salut Guillaume. Salut. Écoute, merci. De rien. Bah écoute, voilà, on est ravis là, forcément d'être là sur ce joli stand de la Fédération Nationale des Chasseurs. On essaie de donner une image dynamique, très axée cette année sur le terroir, puisque la chasse, une passion qui se déguste, c'est la thématique de cette année. Donc et bah, c'était l'occasion pour le président Schran et puis plein d'autres là, de se retrouver. On va faire des dégustations, on va recevoir des enfants, on va essayer de montrer un peu cette chasse qui bouge, qui se rajeunit. Et puis au travers de la dégustation des produits du gibier notamment, eh bien, montrer que la chasse, eh bien, on peut la consommer tous les jours, toute la semaine, toute l'année. Eh ben, on valide à chasse et pêche et on va sur ton stand tout à l'heure. Absolument, à tout à l'heure. Salut, salut. On découvre même des agrès noirs sous coupe volante. On quitte la France quelques instants, mais pas le Game Fair, et on va à la rencontre d'Éric de la pourvoirie Fontbrune. Salut Éric. Bonjour Éric. Ben moi c'est Éric. Hein, un beau prénom. Oh c'est ça là, c'est ça. Je sais que tu m'avais parlé d'un produit phare qui était genre rallye 4x4 ou rallye motoneige, je ne sais plus trop. Oui, on a le rallye. C'est un nouveau produit qui n'existait pas au Canada, qu'on a conçu de A à Z. C'est 12 jours d'aventure. On fait 11 régions du Québec pour 4000 km. Hey, ça commence à faire, oui. On fait de l'hélico, on voit les baleines, les mines d'or, les refuges animaliers. Okay. On voit les animaux un peu dans un autre contexte que la chasse. OK, ça peut être très bien pour les Français c'est un safari. Québécois. C'est ça, c'est ça. Okay. Avec les forces du Québec, les grands espaces, découvrir les communautés autochtones aussi. Aussi. C'est fun, ça, là. Oh, okay. Ça amuse bien. Hey, tu peux nous dire qu'est-ce qu'on chasse chez toi, sinon? Quelles sont les espèces de gibier? Chez nous, on est, comme je disais tantôt, on a une opération 12 mois par année. On fait, au printemps, on fait la chasse à l'ours. Ensuite de ça, on fait les séquences pêche, carnassier, cendre, brochet, achigan. L'automne, on est spécialisé dans la bécasse, petit gibier, oiseaux migrateurs. On fait un petit peu d'orignal et de cerf de Virginie.
Puis ensuite de ça, la saison d'hiver commence tout doucement. Et en mars, on est capable, on a environ 2 semaines ou 3 semaines qu'on peut offrir un forfait type de chasse à loup, au loup. Ah, au loup aussi, OK. Mais qu'on jumelle avec un forfait motoneige. Je croyais que les loups, il n'y en avait pas. En fait, si, il y en a au nord du Saint-Laurent, c'est ça? Et au sud, c'est les coyotes? Oui, bien, c'est des co-wolves, un peu, ça peut être des espèces mélangées. Chez nous, on a du coyote, puis plus vers le nord, c'est plus du loup. Okay. Puis dans le grand nord du Québec, tu as le timber wolf qui appelle le gros loup. Là. Le gros loup. Oui, oui, ça, c'est vraiment dans le nord du Québec que tu as ça. Moi qui aime manger, on m'a dit que l'ours, ça se mangeait. Oui. C'est vrai? Tout ce qu'on chasse au Québec, on chasse pas nécessairement juste pour le trophée. Okay. On va, les Québécois qui vont chasser un ornial, même si c'est un daguet et tout, ils vont le prélever puis ils vont le manger. Que chez nous, on continue un petit peu dans cette optique-là, que tout ce qu'on chasse, on mange. Que quand les clients tirent leurs ours, nous, on les garde. J'ai un boucher qui fait toutes les coupes de viande, on garde au congèle. Que quand les chasseurs viennent, bien souvent, ils vont pouvoir goûter à l'ours. Alors, l'ours se mange, hein? J'y goûterai quand j'y retournerai. C'est un vrai mode de chasse et moi, je pense que c'est un mode de chasse à découvrir chez les Québécois. Eh bien, merci Eric. Ça me fait plaisir, Eric. Plein de bonnes choses et de bonnes chances pour ce salon. Et on se dit à très bientôt au Québec. Parfait. N'importe quand, t'es le bienvenu. Salut. Merci. À tout, Eric. Ciao. Ici, toutes les races de chiens sont représentées. Les chiens d'arrêt, les broussailleurs, les retrievers. Le game fair, c'est aussi les chiens courants. Encore un scoop et une découverte chasse et pêche. Nous allons à la rencontre de Jacques Cheval. Salut Jacques. Bonjour Eric. Enchanté. Enchanté. Il semblerait que Chasse Passion soit le site numéro 1 du monde de la chasse. Tu peux nous en dire un peu plus? Quand on dit site numéro 1, on se base tout simplement sur les statistiques. Hein. C'est ça qui parle dans le monde de la chasse. Pour vous dire à peu près, Chasse Passion, c'est 160 000 pages vues par mois. Il y a des sites qui font plus de visites, mais ils font de la chasse, ils font aussi de la pêche, ils font de la outdoor. Nous, on fait que de la chasse. Il y a Chasse Passion, mais tu évolues sur les réseaux sociaux, je sais. Chasse Passion s'est mis un peu tardivement. On est à fond sur les réseaux sociaux, ça c'est clair. On a une page Facebook, on a 30 000 abonnés. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas non plus c'est pas l'Amérique. On a un groupe, on a 40 000 abonnés. Là, par contre, c'est le plus grand groupe de chasseurs en France et de très très loin. Et du coup, ces supports, ça me permet en fait de relayer mes informations et mes contenus d'actualité sur la page et sur les groupes et aussi sur d'autres pages avec lesquelles j'ai des partenariats. Donc, dès que je publie un contenu, c'est tout de suite des milliers de visiteurs et des milliers de pages vues qui proviennent de Chasse Passion. Il y a à l'heure actuelle un autre phénomène sur le web, c'est les femmes et la chasse. Jacques, tu confirmes? Oui, je confirme tout à fait. C'est vrai que depuis, je dirais, peut-être un an maintenant, beaucoup de femmes, et c'est très bien d'ailleurs, hein, beaucoup de femmes chasseresses ont créé des pages Facebook. Souvent, c'est des pages. Comme moi, j'ai la page Chasse Passion. Ces chasseresses, elles ont des pages pour présenter tout simplement leur passion de la chasse. Leur audience monte en flèche et c'est vrai qu'elles ont une très grosse portée et une belle visibilité maintenant sur les réseaux sociaux. Une petite conclusion donc. Au fil des années, on se rend compte d'une évolution du web, d'une fréquentation de plus en plus de femmes, jeunes femmes, voire très jeunes femmes dans le monde de la chasse. C'est vraiment ça la mouvance? Je pense que la chasse se rajeunit, c'est certain. Je vois énormément de jeunes sur les réseaux sociaux, t'as raison. Bien, merci beaucoup Jacques. On va d'ailleurs tout de suite à la rencontre de jeunes chasseresses. À tout de suite. Salut les filles, il paraît que les femmes prennent le pouvoir dans le monde de la chasse. Prennent le pouvoir, oui, on peut dire ça comme ça. On est de plus en plus nombreuses. Il y a 20 filles du Sud qui montent pour le Game Fair. Tout à fait, c'est ça. Et toi, Lucie, qu'est-ce que tu fais dans le monde de la chasse, en fait? Moi, je travaille pour la Fédération Régionale des Chasseurs d'Occitanie, donc dans le Sud, et je suis notamment en charge d'un projet sur la chasse au féminin. Tu peux te présenter? Oui. Alors, moi, je m'appelle Magali, et j'ai 24 ans, et je chasse dans les Pyrénées-Orientales, et je chasse exclusivement le gros gibier pour le moment. Ok. Affût, approche, battu? Battu principalement, et j'ai eu l'occasion de faire 2-3 approches pour ma toute première saison cette année. Oui, on t'a vu sur Facebook avec un mouflon, il me semble. Exactement, okay. C'est ça, une belle brebis. Maëva, présente-toi.
Bonjour, donc moi je m'appelle Maëva, je chasse près de Perpignan, donc sur la commune de Totavel, et je chasse exclusivement le gros gibier, donc le sanglier. J'ai pas eu la chance de tirer autre chose, mais en espérant que dans les années qui arrivent, pourquoi pas. Et toi Lucie, tu chasses ? Alors un peu tout, principalement le grand gibier, sanglier en battu ou chamois à l'approche, chevreuil à l'approche, et je me mets progressivement au petit gibier et même gibier d'eau. Ok, super. Les filles, comment vous est venue la passion de la chasse ? Pour moi, en tout cas, c'est mon père qui me l'a transmise. Moi, ça m'est venu en fait par mes études. J'ai fait un lycée, donc en formation lycéenne et BTS et licence professionnelle dans l'environnement. Okay. Et ça m'est venu à ce moment-là, passer le permis, savoir gérer les écosystèmes et donc la faune par extension. Et du coup, la passion, elle est venue naturellement comme ça. Surprenant, oui. Oui. Et toi, Maëva ? Alors moi, c'est mon copain qui m'a tout appris. Donc j'ai découvert ça avec lui parce qu'à la base, je suis quelqu'un de la ville. Donc du coup, voilà, j'ai tout appris avec lui et ça fait 5 ans que je le suis. Et l'année dernière, j'ai passé mon permis de chasse pour pouvoir voler de mes propres ailes, entre guillemets. Pour vous, les filles, la chasse du 21e siècle, c'est quoi ? La chasse du 21e siècle, c'est une chasse dynamique, une chasse jeune, une chasse moderne et je dirais même une chasse écolo, une chasse naturaliste, comme on disait avec Maggie. En plus, vous avez des jobs, on va dire, un peu atypiques en dehors de toi qui est dans le monde de la chasse. Toi, tu fais quoi déjà ? Alors, moi, je travaille en tant qu'animatrice nature dans un périscolaire. Donc, oui. J'apprends l'environnement, je fais de l'éducation à l'environnement auprès des petits bouts, quoi. Ouais, donc environnement et chasse sont complètement compatibles. Ah, c'est même indissociable. Ok. Maëva ? Et moi, je travaille au musée de préhistoire à Totavel, donc je suis animatrice. Et donc le monde de la chasse, moi je le connaissais avant, mais à l'époque de la préhistoire. Oui, voilà. On n'a plus les mêmes techniques de nos jours. Il n'y a plus les mêmes techniques, mais on voit aussi que ça a évolué parce qu'avant c'était juste une question de survie et maintenant c'est par plaisir, entre guillemets. Voilà, c'est un mode de vie maintenant. Les filles, peut-être un message à faire passer ? Un message à faire passer, c'est plus qu'il n'y a pas de raison qu'on ne suive pas la même dynamique que dans les autres pays du monde où on a par exemple l'Allemagne, la Suède, le Canada, les États-Unis sont à plus de 10% de femmes. Donc nous, on n'en est toujours qu'à 2%. Il n'y a pas de raison qu'on ne suive pas la même dynamique et voilà, que ça se féminise. Je vais laisser les filles continuer leur balade sur le salon. Salut les filles! Alors maintenant, je vous fais découvrir Marie-Jo. Vous ne la connaissez peut-être pas, et pourtant, si, c'est notre décoratrice du chasseur français Le Mag sur Chasse et Pêche. Salut Marie-Jo. Salut Eric. Alors, tu peux nous en dire un peu plus sur ton métier ? Quel est ton métier ? Mon métier, depuis 20 ans, c'est l'art animalier. C'est retranscrire par la peinture, par la sculpture aussi depuis peu, toutes les émotions que la chasse et les animaux me procurent. Globalement, sur quelle matière tu travailles et avec quel support ? Principalement, depuis 5-6 ans, je travaille sur un support qui est de la toile de lin que je tends moi-même, toile de lin brute qui a une teinte beige. J'ai longtemps travaillé au pastel. Je continue de temps en temps à sortir des pièces au pastel, mais c'est vrai que je privilégie beaucoup l'acrylique maintenant. C'est une technique qui est très proche de l'huile, mais qui sèche très vite et me permet de travailler avec beaucoup de rapidité. Ce qui me plaît vraiment, c'est pour garder la spontanéité. Tu peux nous montrer tes nouvelles œuvres, les éditions spéciales Game Fair ? Pour le Game Fair, j'ai travaillé sur la Sologne. Donc cerf, chevreuil, sanglier, lièvre, faisan, voilà, bécasse. Ensuite, j'ai un Big Five, mais plus africain, puisque ici, on rencontre aussi beaucoup de personnes qui chassent en Afrique. Et les petits derniers vont être le groupe de zèbres pendant la transhumance, avec la poussière qui implique le mouvement. On a cet ours. Je travaille beaucoup les ours, qui me passionnent énormément, surtout à cause du regard et du mouvement quand ils sont à la pêche au saumon. Merci beaucoup Marie-Jo. Après Marie-Jo, les femmes sont encore et toujours à l'honneur. On va à la rencontre de Natacha. Natacha, ça vous dit rien. Et pourtant, vous êtes des milliers à utiliser son produit. On y va. Salut Natacha, tu peux nous parler de ton produit, s'il te plaît ? Je suis la fille du célèbre créateur du Plux, Philippe Baudouin. Et donc, c'est une production très artisanale de nos produits. On fait 48 références. C'est quoi le Plux ? C'est une recette de sorcier ?
Oui, effectivement, c'est une recette de sorcier. Mon père était surnommé comme cela, tout à fait. Et on vient du Berry, donc ça s'y prête très très bien. C'est ça, on est bien d'accord. Des conseils pour le plux, si t'en as. Alors oui, je vais même vous en donner trois. Il faut savoir que on ne met pas de produits attractants là où les sangliers dorment. Premier conseil. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est d'appliquer les produits sur des baliveaux qui ne font pas plus que ce petit arbre, qui est le meilleur exemple que nous pouvons avoir, et sur des branchages plutôt souples. Alors, voilà. Deuxième conseil, baliveaux, donc petit segment, et sur les arbres, on va dire une section max de 20 cm. Le troisième conseil, c'est de relier les arbres entre eux par le tissu racinaire et de mettre du produit autour de l'arbre, car la terre ou le sable, tout dépend de la nature de votre sol, va rentrer dans les soies de l'animal et va permettre d'engluer et de déparasiter l'animal. N'oublions pas que c'est un produit qui permet au sanglier de se déparasiter. Car le sanglier est un suidé, donc il ne transpire pas et il ne peut pas évacuer ses parasites. Tout à fait. Donc il part la plupart de son temps à se nettoyer. Merci Natacha pour la présentation de tes produits et tes très bons conseils d'utilisation. Si vous vouliez kidnapper Natacha ou lui voler son secret de fabrication, bah c'est raté. Elle a disparu. Hey, hey, on peut même y trouver du petit matériel pour cultiver son potager. C'est pas magique ça? On clôture la visite du salon par le stand de la FNC avec Jackie et Julie. Quel est le concept du stand cette année? Le stand cette année est axé sur la venaison, donc avec le slogan « La chasse, une passion qui se déguste ». C'est un slogan qui a duré donc toute cette année où on a mis en avant la viande de gibier que les chasseurs consomment tous. Et donc effectivement, on axe sur cette thématique cette année aussi au Game Fair. Ça a l'air interactif puisqu'on peut se faire prendre en photo, on peut toucher un animal fictif en fait pour connaître les morceaux de viande, c'est ça? Notre idée, c'est le stand appartient aux chasseurs, il faut que les chasseurs puissent avoir envie de venir tout au long de cette journée. Donc là actuellement, on a installé une animation pour les enfants pour qu'ils puissent dessiner, s'asseoir pendant que leurs parents, eux, se désaltèrent sur le stand. L'animation phare, c'est quand même notre chef cuisinier qui vient tous les jours en fait pour présenter aux chasseurs des recettes simples de gibier pour prouver en fait au monde de la chasse que finalement on peut cuisiner très simplement. Et puis on a effectivement, comme tu l'as si bien dit, des photos. Ça c'est assez rigolo, c'est pas autour de la venaison du tout, mais c'est autour de la chasse. On doit mettre aussi en avant les modes de chasse. Et puis en plus de ça, il y a un débat tous les jours qui a lieu avec Monsieur Schran, le président de la FNC, où il répond en direct aux questions des chasseurs, sans tabou. C'est volontaire, cette idée d'ouverture vers le monde de la chasse. La FNC sur le Game Fair, c'est à la rencontre des chasseurs sur le terrain, sans tabou, avec même le directeur de la FNC. Le directeur, le président, nombreux administrateurs, on est là sur place, mais vraiment à la rencontre des chasseurs, et vraiment, notre stand est totalement ouvert, tout le monde vient, on pose tout un tas de questions, et c'est très bien. Eh bien, Julie, merci beaucoup. Jackie, merci beaucoup. Merci. Et donc, la chasse, c'est de la venaison, et ça se consomme. Sans modération. Salut Jérôme. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Écoute, impeccable. Bon, en fait Jérôme est un des rares armuriers à savoir encore fabriquer une arme de A à Z en France. Et voilà, le Game Fair, c'est fini pour moi et ma réalisatrice Marianne. Alors, tel le pigeon migrateur ou la palombe, je m'envole discrètement et je vous retrouve très prochainement pour un CP News.